Hey yo tout le monde, pour une vidéo, les gars, l'update 20 de Bloxwii est sorti et je vous montrerai toutes les nouveautés qu'il y a. La première nouveauté, c'est qu'en fait il y a des nouveaux bateaux, enfin les nouveaux, il y a des nouveaux bateaux, ou plus les bateaux ils ont vraiment changé plutôt. Par exemple, au lieu du Swan, bah, c'est devenu le Guardian. Guardian. En vrai il est grave rapide hein, sur la mer. Et après mon préféré, la lanterne, vraiment trop stylé. Et voilà, c'est ici. Et d'ailleurs le bateau gratuit, il a changé, c'est ça. Il a même une petite chambre. Vas-y, moi je vais prendre le Guardian. Il est plus rapide sur la mer. Hein. Et je vais vous montrer, on va directement aller sur l'île. Et voilà, on est arrivé à l'île. Elle s'appelle Tiki Upsot ou Post. Outpost. Sur l'île, bah j'ai dit il y a de la pluie sur l'île et ça pleut tout le temps, jour et nuit. Moi en vrai je trouve que là, vu comme ça, l'île elle est pas très belle, moi je trouve. Après les gars, ici on monte et on a le Best Hunter. On fait craft, on a ça. Ça c'est une couronne, bah je sais pas trop elle fait quoi. Mais en tout cas on a des crafts. Craft. Ici les via ton truc. Je crois que ça donne plus de PV, ça met vraiment beaucoup de PV. Et après le dernier craft, le Best Hunter, c'est un bateau, il a l'air d'être trop cheaté. Et après, de l'autre, il y a aussi un autre PNJ. Il est ici normalement. Ah là, ici. Shark Hunter. Craft. Par exemple, ici, ça. C'est un colis d'ailleurs. Moi, je vais le craft. Je vais. Ça. Ça, c'est un terre-argent. Ou c'est un. C'est une mâchoire. Bah, c'est un truc. Bah, vous avez compris. Et c'est tout. Il y a les deux items. Là. Ça et ça. Et aussi une nouvelle nouveauté, ouais bah là je vais se trouver. Et la nouvelle nouveauté c'est qu'il y a des nouveaux. Bah les fruits ils ont changé, maintenant ils sont devenus trop beaux. Par exemple là je vois une star Bouddha. Bouddha, vous avez vu? Et même une petite cinématique. Par exemple si je prends Phoenix, bah il a une autre cinématique. Trop stylé. D'ailleurs le Phoenix c'est comme si c'était un poulet. Voilà. Bien sûr, hein, vu que c'est une nouvelle ligue, dit plus de niveau, qui dit plus de niveau, qui dit plus fort. Bah moi, j'ai augmenté de 15 niveaux, j'ai un peu joué. Si on va ici, on peut avoir un nouveau style. Là, je sais pas comment on fait pour l'avoir, mais il est trop fort, je crois qu'il est même plus fort que Godjumain. Voilà. Et aussi sur l'île encore il y a quelque part il y a un PNJ qui te fait des améliorations d'armes et tout. Moi je sais pas où il est. 2000 years later. Voilà, il est là. Oh non, je viens de tomber. Alors. Il est là. Enchante. Par exemple là, pour faire des enchantes là, il faut avoir une petite épée sur. Il faut avoir une petite étoile. Par exemple, moi je vais prendre la reine Goku.
craft commune craft là j'en dors une commune c'est dans trésor je crois ouais voilà une commune norme une truc et après vous faites ça enchante épée relenchante ça m'a confirmé il faut cliquer 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 et là ok donc j'ai eu un cooldown de 25%. Ah non, ouais, donc c'est des réduits de 25%, mais je fais moins 30% de moins de dégâts. Réduit cooldown. Je crois que ça c'est pour réduire le truc. Bah, le cooldown. Interdommage des tobist use. Bah, ça, je ne sais pas c'est quoi. Donc, voilà, là j'ai une petite enchante. Et je pense que ça, je pense qu'il n'y a rien qui change. Hein. Non, il n'y a pas de deuxième étoile, il n'y a rien. Bon, là, on se retrouve château sur la mer. Et je vais vous. Et là, il y a un truc qui a changé, c'est la Darkblade. Elle est devenue comme ça, alors qu'avant, elle était moins. Bah, voilà. Bah, elle était pas comme ça avant. Et toutes les épées, ils ont des nouvelles attaques. Hein. Bah, après, je crois que 27 sorts sur. 30, je crois que c'est ça. Il y a des nouvelles attaques, par exemple la reine Goku, c'est ça. Et c'est ça. Le sabre de Shanks. Il a ruée mortelle, c'était pas ça avant, c'était juste un truc rouge. D'ailleurs, je prends mon petit coffre, ça me fait de la thune. Et triple slash, bah, c'est ça, en deux fois plus fort. Donc en gros, c'est devenu plus fort. Et sinon, bah je pense que voilà le Bizanto. Attends, on va faire le dernier avec le Bizanto. Juste la première attaque. Ouais, voilà, c'est devenu plus fort. Hein. Je vais rééquiper mon truc. Et donc, voilà, on va passer au prochain truc. La prochaine nouveauté. Quand on va faire ça, il y a Rocket à la place de Kilo. Il est parti. Et après, tourner, il a changé. C'est devenu bleu. Ici, c'était jaune. Et après, je pense que les attaques sont devenues bleues aussi. Et ils ont ajouté deux nouveaux fruits. Juste devant Spider, c'est le fruit du son. Ils ont. Là, limite. Je vais faire une blague. Limite, ils ont copié Tengen, là. Si, si. Bon, tous ceux qui ont la ref, ils ont compris. Et aussi, ils ont ajouté un autre fruit, c'est Mammouth. En gros, on peut te transformer en Mammouth. C'est comme avec Bouddha. Mais Mammouth, je pense que ça peut rivaliser avec Bouddha. Hein. Je pense que ça peut le rivaliser. Et voilà. D'ailleurs. Bon, là. Voilà, moi, je vais faire un petit spin. Voir, j'ai quoi comme fruit. Faire tourner. J'ai vu faire tourner comme fruit. Je vais le lâcher. Là, ils ont ajouté des piranhas, des requins et des. Il y a un boss requin qui s'appelle Terror Shark. On peut trouver à plusieurs endroits, à des endroits différents, tout ça. Et là, je vais mettre des images hein, de tous ces boss. Et sinon, je pense que. Et là, c'était moi. Hein, c'est tout. Donc, les gars, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notif.